Il a fait l'école des beaux-arts et l'école du Louvre. Il a étudié aussi la philosophie et la théologie. Le père Jacquel est prêtre des missions étrangères de Paris. Aujourd'hui, il habite au Japon, à Tokyo, 4 jours par semaine. Il est aumônier de la paroisse francophone. Le reste du temps, il se retire, dans les montagnes, seul, au milieu de nulle part. Et là, il peint, il dessine, il façonne. Pour moi, c'est un tout. Comment dire, pour moi, je n'ai pas l'impression d'être un homme différent quand je suis ici ou quand je suis à Tokyo. En paroisse à Tokyo ou en ermitage dans ces montagnes, le père Jacquel reste le même homme. Qu'il soit en train de prêcher aux fidèles ou en train de modeler une de ses œuvres, il a une identité, une seule. Et si j'ai à me présenter, je réponds toujours que je suis prêtre des missions étrangères de Paris. Et je ne réponds jamais que je suis un artiste. Je suis prêtre, oui, je suis prêtre des missions étrangères. C'est vraiment mon identité. Se retirer dans la solitude est une manière pour le missionnaire de prendre du temps, de trouver un équilibre, de se ressourcer, de vivre. Sa passion pour l'art, il ne peut s'en passer. J'ai le sentiment que tout ce qui touche à la beauté m'a toujours intéressé. Et que je ne peux pas vraiment vivre en faisant abstraction de ça. La vie missionnaire n'est pas sans difficulté, on s'en doute. Loin de ses racines, loin de son pays et de ses proches, le missionnaire doit trouver un équilibre de vie. Aux missions étrangères, je crois savoir qu'autrefois, on recommandait aux missionnaires d'avoir une... comment dire, un hobby, un violon dingre, ou de cultiver une passion, de cultiver une recherche, quelque chose vraiment qui vous intéresse personnellement. Bon, il y a des gens qui sont devenus botanistes, par exemple, ou d'autres qui sont intéressés à la géologie, d'autres encore à l'histoire, etc. Enfin, qui ont cultivé des passions. Ils étaient tous prêtres, d'abord. Ensuite, ils étaient botanistes, paléontologues, historiens, architectes. Certains sont devenus connus, reconnus, célèbres. Peut-être qu'un jour, on reconnaîtra aussi la valeur des travaux du père Jacquel, le missionnaire artiste.